Et maintenant... Voici Victoria Abril. Qu'est-ce qu'elle est belle! Avant toute chose, merci d'être venue enceinte jusqu'au cou. C'est vraiment sympa pour l'émission. Absolument. Je suis enceinte de 2000 enfants. Ouais. On va nage, Afrique. Tout le monde a remarqué à quel point Victoria Abril, qui travaillait sur un disque depuis des années, chante bien. Bien. Elle est bonne. Elle est celle-là. Bonne. Et ça, qui est? C'est qui celle-là? Please, dites-nous tout de suite. Ah, lo tengo aquí. Non, lo sabemos. Je l'ai là. Mais si, monsieur. Non, c'est la Lupe. La Lupe. La Lupe. Voilà. Una mexicana, buenísima. Alors, Victoria Abril, la semaine dernière, Lou Doyon était là. Et oui. On se disait que si elle épousait Garou, elle s'appellerait... Et cette semaine, force est de constater que si vous épousiez David Beckham, vous seriez Victoria Beckham. Bravo. Victoria Beckham 2. Extraordinaire, hein? Oui, extraordinaire. Si elle épousait un chef de gare, ça ferait Victoria Station. Tout ça, on coupe au montage, tout ça, tu vois? C'est l'avantage de ne pas être en direct. Vas-y, vas-y. Olé, vamos. Victoria. Dígame. Comment va Nicolas? Muy bien. Ah. D'ailleurs, il m'a dit que plus jamais tu m'embrasses. Tu vas m'obliger à faire une rupture, il faut que je fasse la boue. Ouh, Nicolas, j'aime pas. Je veux dire à nos amis téléspectateurs que Nicolas a remplacé Gérard. Qu'est-ce qui se passe, Laurent? Il y a un petit peu bavé en embrassant Victoria, c'est pas très grave. C'est que du désir, on va réparer tout ça. Ah, les pédés. Ça te dit pareil en espagnol? Oui, c'est ça. Merci, Laurent. Et alors, Pedro Almodovar, il va bien? Très bien. Bien. Très bien. Alors, la dernière fois que je vous ai vu à la télévision, vous étiez sur scène à Cannes, oui. Parmi les 5 actrices fétiches de Pedro Almodovar. Et j'ai parlé coréen. Ah, c'était coréen, on m'a dit. Si, era coréano. C'est japonais, moi. Non, non, era coréano. Ah, du nord. Coréano. Comment on dit le festival est ouvert en coréen? Là, tu viens de commander des vapeurs, là. C'est pas oui. On va rester dans le cinéma, donc, quand vous êtes à l'affiche, Victoria Abril, de Cause Toujours, oui. De Jeanne Labrune. Absolument. D'abord, c'est une femme, ce qui n'est pas souvent dans le cinéma. Bon, nous, vous, on connaissait quelques-unes, oui. La femme, c'est pas souvent, c'est un petit 5%. Et puis, c'est extrêmement intelligent. Mais c'est vrai, non, non, riez pas. C'est vraiment extrêmement pas tout intelligent. Suite. Attendez, j'ai raconté non. Le film. Allez, bande annonce. Et arrêtons les hypothèses. Ouais, bien, bande alors. Annonce, donc, suite. Cause toujours. Un film de... dire, comment il s'appelle? Bruno? Non, comment il s'appelle? Qui? Bruno, bande annonce. Bruno Magneto. Bruno. Ah, t'as ah. Fait dans les Magneto. Films, Serge Magneto. Serge. Il est non, 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 pas tout de suite. Alors, donc, vous êtes à l'affiche de Cause toujours de Jeanne Labrune avec Jean-Pierre Darroussin. Sylvie Testu, Claude Perron, Didier Besas et vous. Sorti le 28 juillet. Alors c'est difficile à pitcher, hein. C'est du Jeanne Labrune. Hein. C'est pas évident à pitcher. Ah, c'est intelligent, c'est sûr. Non, mais attendez, voilà. Il faudrait quand même que vous leviez un petit peu le niveau. Hein. Bah oui, non, mais voilà. Mais attendez, vous n'êtes pas, allé à l'école, c'est quand même moi la France, l'espagnol qui ne sait pas parler français. Non, mais je vais essayer, ça ne veut pas dire que je ne vais pas essayer ça quand Victoria, je dis que c'est difficile. Toi, parce que là, ça va mal finir. Oui. Laurent, c'est un film sur le soupçon et son contraire, la confiance. Voilà.
Alors, un... Voilà, c'est bien absolument. Dit, ouais. C'est un film qui parle des tu sais, cette sensation, et c'est la nouvelle mode, c'est de nous foutre, de nous, non, je ne dis pas de nous foutre, de nous mettre, de nous filer de la peur. Hein, à travers la télévision, on nous file de la peur, la sensation de la sécurité. Mmh. Donc là, elle raconte ça à travers mon personnage, que c'est une fille absolument charmante et formidable, comme moi, n'est-ce pas? Que tout d'un coup, une matinée, s'élève et trouve des moucherons, des mites dans sa cuisine. Donc, elle commence à s'agacer, faire voir paranoïa, et elle commence à vouloir les exterminer. D'abord, elle essaie de faire ça d'une façon écologique, et puis petit à petit, comme ça l'envahisse, et comme son mari, en plus que Darussan, qui est une maravilla, nous fait un truc de jeu, et la campagne qui est vraiment premio d'interprétation. Vous allez voir le droguiste Dominique Besnéard, qui vous demande si ce sont des insectes rampants ou des insectes volants. Tu as compris. Oui, c'est très sympathique. Ouais. Alors là-dessus arrive Sylvie Testu, donc, qui est votre amie, et qui vous propose de partir à la campagne avec votre Jules Darroussin. Mais en fait... Ça, c'est le deuxième. Sylvie Testu ne veut pas partir. Sylvie Testu ne veut pas partir, car elle a flashé sur un muet. Oui, je sais. Car elle a flashé sur un muet, c'est vrai. Oui, mais qu'on croit qu'il est légionnaire. Voilà. Et qu'il est muet parce qu'il a été presque égorgé à Djibouti. Elle doit fumer de la bonne. Hein, tout ça, tu vois, tout ça, ça nous fout. De la trouille et en même temps de l'excitation. Tu vois, comme tu dis, c'est légionnaire. Il est muet, donc il le suit jusqu'à une maison de campagne. Et là, tous les amis, toute la bande se retrouve autour de ce muet qui, bien entendu, je crois qu'on peut le dire sans dévoiler le film, n'est pas vraiment muet. Non. Non, on peut le dire. Ni dangereux non plus. Voilà. Donc voilà, il se passe rien. Voilà. En fait, c'est on est en train de faire la belle promo. Et là, Laurent, je raconte pas le la fin. Le mec est muet, il se passe rien. Ben non, surtout pas. Laurent, je raconte pas la fin. Parce que là, on tient tout le monde par les couilles, surtout ne déflore rien. Non, ça serait dommage. Ça serait dommage de raconter la fin. Parce qu'à la fin, évidemment, il y a un truc qui arrive énorme. Incroyable. Voilà. Non, alors, pour être beaucoup plus sérieux, c'est un film sur l'ère du soupçon, parce qu'il y a un sens dans tout ça, évidemment. Dans un monde où chacun se méfie d'autrui, celui qui ne se méfie pas peut devenir celui dont on se méfie le plus. Il y a une autre façon de parler du film en même temps, ça serait que vous regardiez votre caméra, Victoria Abril, et que vous disiez « Magnéto Serge ». Magnéto Serge, s'il te plaît. Ah.